chacun à sa place. On est à la buvette. On est à la Un petit coup. On va faire le dernier plateau. On va commencer avec Philippe pour une chanson. Émilie pour une chanson. Catel pour une histoire. Polo pour un texte. Daniel ensuite pour une chanson, Simon au piano, Pépé Love pour une chanson, et on va finir avec Annie. Donc Philippe. Bravo. Philippe a eu un accident. Voilà. Il est enrubané les phalanges. Bravo, quel talent. Alors comme il a voulu absolument faire quelque chose, on l'accompagne parce qu'on laisse pas un copain tout seul. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci les gars. Alors c'est lui qui est l'auteur des paroles, hein. On n'y est pour rien. Non, non. J'ai plus de responsabilité. Non, j'ai pensé aux années 70. On était jeunes. À l'époque, les jeunes avaient les cheveux longs. Et les parents disaient cheveux longs, idées courtes. Allez. La reine. Batteur. Thank you.
Émilie, je vois que j'ai dit par là-bas. Émilie! Donc, qui vient d'arriver dans notre troupe. Comment? Avance un petit peu. C'est possible, plus fort. Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille construite, une mère qui est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme un peu de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'en sorcelle, pour ceux de sa mère hantée, elle en montait la tunnel, elle ne pouvait pas surprendre plus vite ses ailes. Leur relation était devenue tout ce qui fut de l'âge. Passé, on a changé sa cape et magie. Je n'ai la campagne d'Ivry. Elle vit maintenant en vie car sa maman finit. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Et ne mit pas longtemps à s'adapter à sa vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle était ravie. Car tout va pour le mieux, petite Émilie. Petite Émilie a 10 ans et petite Émilie a 10 ans et devenue petite fille bondée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était toute fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les petits quelques jaloux. Devant les profs, l'appelait bouffetou. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie a 12 ans maintenant. Adolescente enfermée au grand dam de maman. Ni le joli village souriant, c'est une petite fille, une sale, qu'elle est depuis à présent. Veut dire qu'au collège, ça avait changé, trop d'élèves ne faisaient que se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Se demandait comment faire face, elle en était devenue le souffle de la classe. Sur les réseaux sociaux, ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournant, montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire ou comment réagir à cet enfer, par honte et nous ne pas souffler sa mère. Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentre chez elle dénudée, camarades tous ensemble l'avaient entendu dans le pour la loucher. C'en était trop pour elle pour qu'elle ne puisse encore se porter. Alors elle est enlisée et son envoi vers la. C'est une lessive qui sèche, joviale et sans prétention. De si loin qu'on voit un village, les mouchoirs vous font des signaux. Ils ameutent le voisinage et crient bonjour ou à bientôt. Ce sont les fous et les sans-soins qui se font des nœuds dans les coins. Voyez le peuple des chemises, toujours en révolution. Au moindre souffle de la brise, c'est la grande manifestation. Et les chemises les plus mâles agitent leurs bras de percale, leurs bannières avec fierté flotte au vent de la liberté. Tout à coup, la discussion s'arrête. On lorgne vers les chemisettes. Le vent à l'est, on flirte à gauche. S'il fait grand vent, c'est la débauche.
un peu plus loin, les conséquences. Une layette en rouge qui danse. Comme de sages jeunes filles, les chemises prennent l'air tout en famille. Les bas sont de grands énervés, ce sont des chaussettes arrivées. Ils veulent tirer vanité des louis d'or qu'ils ont portés. La nappe de 18 couverts, dans une douce somnolence, raconte encore, à mots couverts, le détail de quelques bombances à propos d'un bonnet coquet, tout secoué par le hoquet. Ce dernier, très en confidence, nous compte un voyage lointain qu'il fit pour son expérience un jour par-delà les moulins. Un pantalon qui n'est pas sot, dit caleçon, il est puceau. Les culottes face au ciel sont souriantes et joufflues. Et les draps, l'air confidentiel, comme ceux-là qui n'ont rien vu, au vent se tordent de plaisir en évoquant leurs souvenirs. La trace sûre est la plus fraîche d'une civilisation. C'est une lessive qui sèche, joviale et sans prétention. J'ai pas précisé, mais c'est notre présidente. Polo. Certaines personnes ne connaissent pas, que certains connaissent et ils vont se taire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un breton d'origine espagnole? Pas d'idée? Non. Olé ribo. Je vais essayer. Alors, c'est un sketch encore de vous. Je suis un fan. Bon, c'est sûr que... Alors, le titre, c'est lui dire. Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe « ouïr ». Le verbe « ouïr » au présent, ça fait... Joie, joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie. Les gens vont penser ce que j'entends est joyeux. Alors ce que j'entends peut-être particulièrement triste, il faudrait préciser. Dieu, ce que joie est triste. Joie, tu vois. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond du bois. Il voit. Voyons-nous. Les oies, c'est bête. Loi, loi. Elle loi, loi. Ce que nous voyons, loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis alors. Louis de loi à oui. Pour peu que loi appartienne à lui. À Louis. 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 Louis.
Et qu'un oui-oui de loi de lui, elle a ouïs de tout oua-oua. Et quoi, tout oua? Tout oua-oua comme au chien à boire. Le soir, au fond des bois. Tout oua-oua. Oua! Oua! Quelle loi, loi? Au passé, ça fait joui. Joui. Il n'y a vraiment pas de quoi. De son établissement, j'étais le meilleur pilier. Quand j'eus bu tous mes sous, il me mit à la porte en disant les poivrons, le diable les emporte. Ça ne fait rien, il y a des bistrots bien singuliers. Un certain va-nu-pied qui passe et me trouve ivre, m'en croyant tout de bon que j'ai cessé de vivre. Vous auriez fait pareil, sans prix à mes souliers. Pauvre homme, vu l'état piteux de mes godasses, je doute qu'il trouve avec son chemin de Damas. Ça ne fait rien, il y a des passants bien singuliers. Un étudiant miteux s'en prit à ma liquette, qui à la faveur de la nuit lui avait paru coquette. Mais en plein jour, ses yeux ont dû se dessiller. Je le plains de tout mon cœur, pauvre enfant s'il l'a mise, vu que d'un homme heureux, c'était loin d'être la chemise. Ça ne fait rien, il y a des étudiants bien singuliers. La femme d'un ouvrier s'en prit à ma culotte, passa madame, passa, mille et un coups de botte. On tente user le fond que si vous essayez. La mettre à votre mari, bientôt je vous en fiche mon billet qu'il aurait. Du verglas sur les miches, ça ne fait rien, il y a des ménages bien singuliers. Et j'étais là tout nu sur le bord du trottoir, exhibant malgré moi mes humbles génitoires. Une petite vertu rentrant de travailler, elle qui chaque soir envoyait une douzaine, courut dire aux agents, j'ai vu quelque chose d'obscène, ça ne fait rien. Il y a des tapins bien singuliers. Le représentant de la loi vint d'un pas débonnaire. Sitôt qu'il m'aperçut, il s'écria tonnerre. On est en plein hiver et si vous vous geliez, et de peur que je n'attrape une fluxion de poitrine, le bougre il me couvrit avec sa pèlerine. Ça ne fait rien, il y a des flics bien singuliers. Et depuis ce temps-là, moi le fier, le bravache, moi dont le cri de guerre fut toujours mort aux vaches. Plus une seule fois, je ne pus le brailler. J'essaye bien encore, mais ma langue honteuse retombe lourdement dans ma bouche pâteuse. Ça ne fait rien, nous vivons des temps bien singuliers. Dans ça va être compliqué. Simon, ça
5 minutes, hein, pas ouais. C'est pas moi qui est là. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est là-bas. Ouais. Ouais, le piano, il est là-bas. Le piano, tu arrêtes de voir. Non, non. Il va être en noir. Tu vois les notes, Simon? C'est bon. Ah. Bon, Biro. Eh ben mon papa, il m'a appris ce que je fasse qu'il faut faire. Bon, ça c'était le début, vous voyez. Après, il y a eu l'évolution. On commence à jouer aux jeux vidéo. On se dit peut-être que j'essaye de faire quelque chose, ça a l'air marrant. Donc là, ça devient beaucoup plus sérieux. Là, on se dit qu'il y a des pianistes qui font avec des partitions, donc on commence à regarder. Et puis, on ne comprend rien du tout. Donc, on se dit, ben, essayer de faire un truc. Après, je me suis dit qu'il était possible de faire ce genre de musique. Pour faire rire les jolies filles, pour faire danser les beaux garçons, pour faire rire les jolies filles, pour faire danser les beaux garçons, on va faire une petite chanson, comme autrefois dans mon canton.
c'est pas bien difficile à faire. Vous allez voir, c'est sans mystère. De l'ouest, c'est pas bien difficile à faire. Vous allez voir, c'est sans mystère. C'est pas bien difficile à faire. Vous allez voir, c'est sans mystère. Vous prenez n'importe quel mot, vous les mélangez à de l'eau. Vous tournez pendant un quart d'heure, vous rajoutez une noix de beurre. Bien frais. Vous tournez pendant un quart d'heure, vous rajoutez une noix de beurre. Vous tournez pendant un quart d'heure, vous rajoutez une noix de beurre. Si la chanson est réussie, mettez-y aussi du persil. Si la chanson elle est ratée, jetez-la dans les cabinets. Noir. Si la chanson elle est ratée, jetez-la dans les cabinets. Si la chanson elle est ratée, jetez-la dans les cabinets. Et puis bien vite vous ressortez, il faut jamais abandonner. Avec d'autres mots vous recommencez, pour un beau jour y arriver. Avec d'autres mots vous recommencez, pour un beau jour y arriver. Avec d'autres mots vous recommencez, pour un beau jour y arriver. Ventilateur et poil au cœur, percolateur, prédicateur, eau de mélisse et pain d'épices, garde police et sacrifice. Ça fait beaucoup de fils. Eau de mélisse et pain d'épices, garde police et sacrifice. Eau de mélisse et pain d'épices, garde police et sacrifice. Anticonstitutionnellement, emmerdement joint de cardan. On est si peu de choses, madame, donnez-moi un kilo de banane. Bien mûr. On est si peu de choses, madame, donnez-moi un kilo de banane. On est si peu de choses, banane, donnez-moi un kilo de madame. Pour faire rire les jolies filles, pour faire danser les beaux garçons, on a fait une petite chanson, comme autrefois dans mon canton. L'église était là bien avant ta maison.
fallait pas t'installer aussi près d'un clocher si tu ne peux pas supporter d'écouter sa chanson. Nous, on ne te dit rien tous les samedis matins quand tu viens nous brancher ta tondeuse à gazon. D'où que tu ailles, d'où que tu viennes, essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes, puisque toi tu viens d'arriver. Ne touchez pas à nos fontaines, elles coulent ainsi depuis tant d'années. En venant boire à leur margelle, ne venez pas les abîmer. Tu as pris rendez-vous chez monsieur le maire et ses adjoints pour venir leur parler du poulailler de ton voisin. Tu dis que la basse-cour écorche tes yeux et tes oreilles, qu'il faudrait déporter fermier volatile et fermier. Mais moi je crois que tu as la mémoire courte. Le voisin dont tu parles n'avait pas de voisin. On va pas égorger son coq et ses poules parce que monsieur est resté à moitié citadin. Nous on ne te dit pas qu'il faudrait fusiller ton idiot d'animal qui ne fait qu'aboyer. D'où que tu ailles, d'où que tu viennes, essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes, puisque toi tu viens d'arriver. Ne touchez pas à nos fontaines, elles coulent ainsi depuis tant d'années. En venant boire à leur margelle, ne venez pas. Vous êtes venus prospecter nos villages et nos chemins de pierre, un portefeuille à la main et des dollars dans les prunelles. Vous venez convertir nos montagnes et toutes nos rivières en richesses et profits attirés de nos terres. Mais vous avez, je crois, la mémoire courte. On s'est bien débrouillé quand on manquait de tout. On va pas laisser faire votre armée de soldats qui viendraient tout casser.